Ginny disparut soudain et Harry. Des ennuis? À l'école, il croit que Hagrid a lâché... Je viens d'un pays lointain. Un voyageur m'a donné à Hagrid. Quand on m'a accusé d'avoir tué une jeune fille, il m'a... Mais... vous savez... La chose qui vit dans le château est une créature. Dans ce cas, une... Partir? Je ne crois pas. Thank you.
Dans un crissement de pneus, la voiture s'arrêta net et Harry plongea dedans. « Dépêche-toi, Ron !» Les portières se refermèrent aussitôt. Ron ne toucha pas à l'accélérateur, mais la voiture ne semblait pas avoir besoin de lui et démarra en trombe. Ils sortirent de la fosse et s'enfoncèrent dans la forêt. Les branches cinglaient le pare-brise et la voiture se fraya habilement un passage parmi les arbres. De toute évidence, elle connaissait le chemin. Pendant 10 minutes, ils furent secoués par les cahots, puis la végétation devint moins dense. Ils s'arrêtèrent si brusquement qu'ils faillirent se cogner contre le pare-brise. Ils avaient atteint la lisière de la forêt. Enfin, ils arrivèrent sains et saufs dans la salle commune de Gryffondor. À quoi ça a servi d'aller là-bas? J'aimerais bien savoir ce qu'on a découvert. Que Hagrid n'a jamais ouvert la chambre des secrets. Il était innocent. Harry, Ron, je suis désolée, mais vous allez avoir... Qui ? C'est terrible. Votre ami hier... J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Monsieur Weasley. Oh non ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Aragog a dit que la dernière fois que la Chambre des Secrets avait été ouverte, une fille avait été trouvée. Mimi Géniard ? Va dans les toilettes des filles et trouve Mimi Géniard. Moi, je vais chercher Lockhart. Pourquoi Lockhart ? C'est lui le professeur de défense contre les forces du mal. D'accord, on se retrouve dans les... Ginny s'en tirera, pas vrai, Harry? Ne t'en fais pas, Ron. Je vais la sauver. Puis je fermerai la chambre des... Que je te déchire. Viens, viens à moi. Thank you.
Bien, viens à moi. C'est bizarre. Pourquoi la porte est-elle fermée? Il faut que je trouve un autre chemin. Ah!
Dimilio. Ignacia Will Smith, la sorcière qui... Thank you.
Rivendell,